Nous réaliser conférences, nous réaliser causeries, nous réaliser débats, nous faire projection film. Et projection film, nous fait avec commentaires parce que nous avons des élèves, nous avons invités qui viennent nous faire projection film pour eux. Nous faisons passer musique haïtienne et qui parle de langue et de culture haïtienne et nous commenter avec eux parce que c'est une façon pour nous programmer. Et pour nous préparer jeunes qui sont dans l'école, parce qu'ils étaient super élèves secondes, retour philo qui n'était plus prêts, pour nous faire autant de comprendre ce qui s'est passé en dans la culture. Donc, dans le cadre de ces activités, nous avons fait tout en exposition qui était faite dans la face là dans la faculté de linguistique appliquée. Et en dans local, faculté linguistique appliquée. Nous sommes obligés de faire dans deux espaces différents parce que local, nous, comme tout le monde connaît, après 12 janvier, nous avons gagné, quand nous avons écrasé, cet espace nous très petit, nous sommes obligés de prêter un espace côté nous avons fait, fait exposition dans deux côtés. Nous avons fait en dans local, faculté linguistique appliquée, nous avons des tableaux encore qui sont dans la salle là, mais nous avons tout en face là, côté nous avons l'autre exposition. Et ça qui t'a fait frappant dans le moment, c'est la célébration, gros clôture, activité nous avons fait, jour dimanche 28 octobre, là, qui c'est effectivement journée nationale, journée internationale langue créole. C'était l'activité nous avons préparée. Nous avons gagné troupe théâtre, faculté avec jeunes qui préparaient en pile activité, un taureau spectacle qui a pris l'offre. Malheureusement, nous sommes obligés de renvoyer l'activité. Pour quelle raison? C'était, nous allons comprendre, avec, depuis mercredi, jeudi, vendredi, avec passage cyclone Sandy sous le pays, qui quittait quelques victimes. On, plus que 50 personnes mourir, en pile de personnes perdent des cailles, en pile de personnes perdent des biens, en pile de choses qui viennent laguer, désolation dans le pays. Nous avons trouvé que nous n'étions pas capables de faire fête. Et puisque nous n'avons pas fait fête, nous avons reporté journée célébration clôture. Nous avons fait clôture qui a fait hier dimanche 28 là. Mais ce n'est que reporter, nous reporter parce que nous avons planifié pour nous refaire l'activité ça. Parce que nous avons une troupe là qui continue à préparer. Nous avons l'autre activité, nous avons l'autre comité initiative. Et pour le lancement académique créole, la tour a une bonne activité à préparer. Donc, ça, nous connaissons une institution qui surtout est centrée dans le rectorat. Donc, nous-mêmes, tout dans la faculté de l'université appliquée, il y a une bonne activité nous programmée qui continue à être faite. Et c'est ça qui fait faites-la pas faite, mais faites-la faite. Nous allons aller planifier pour dans le mois de novembre pour nous offrir public là. Et le moment, ça, il y a tant de parce que. Nous, c'est, puisque c'est, ça concerne la langue créole, nous avons dit 28 octobre, journée internationale langue créole, mais en tant que créole, nous vivons créole toute la semaine journée, nous, qui créole, nous, c'est la donne n'a bien, donc nous apprenons, on joue, n'est pas de jour dans le mois, dans le prochain mois, pour nous faire célébration ça, pour nous faire célébration clôture. Thème, non, nous avons un double thème. Nous avons un thème qui est un très cher à la faculté de linguistique appliquée. Créole, c'est nom nous. Créole, c'est identité nous. Et nous avons marié avec l'activité qui a faite dans le cadre de création, dans le cadre de travail qui a fait pour mettre l'Académie créole, la Chita, qui est l'Académie créole, un outil pour nous avancer avec la langue nous.